Oh oui, toutes les bananes, nice. Non, mais j'en ai marre, les gars, mais non! Mais pourquoi? À chaque fois, je me fais avoir par le clear. Et yop tout le monde, c'est Trest99, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Skill PVP. Donc aujourd'hui on va aller faire un petit pillage, il n'a pas encore été effectué donc on va y aller dès maintenant pour le piller. Donc voilà. MDR. Donc Onyx il m'a passé 2-3 trucs, entre parenthèses pour s'excuser du multi mais je lui ai dit que c'était pas très grave. Donc il m'avait passé 5 pump sheets et une météore. Et aujourd'hui on s'attaque à la petite babasse qui est là-bas, donc petit. Et j'espère qu'il y aura là. Donc j'espère qu'il y aura du stuff, bien entendu. Donc c'est la team Wingay. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a du stuff dedans ou pas. On va y aller vite fait. Donc est-ce que. Oui, vite fait, oui, genre rec. Vite fait, oui. Donc j'espère qu'il y aura quelque chose, que j'ai vu un mec enfin tout à l'heure, il y a quelques jours dedans, c'était un mec avec un grade chevalier. Donc je ne sais pas du tout, mais pas du tout, en passant des diables à Sog, je ne sais pas du tout s'il va y avoir du stuff ou pas. Est-ce qu'on peut aller... Ok, on peut aller quand même vachement loin, j'étais un peu allé loin. Vu que j'ai pas activé le F-map, on peut aller jusque ici, nice. Je ne sais pas, il va y avoir combien de couches. Je pense qu'on va faire pas mal péter de TNT. Tiens, voilà. Attendez, hop, hop. Hop, 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 voilà. Je pense qu'on aura besoin pas mal de TNT. Je vais vite fait voir ce que ça donne. Sinon, on va faire ça en coupure jusqu'au temps qu'on soit dedans. Alors, attendez, on va vite fait faire péter un peu plus. Hop, hop, hop. Hop, 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 voilà, tac, 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 tac. Et voilà. Ok, donc il y aura pas mal de couches à faire péter. Bon, je sais pas comment ça se passait, si je suis en accéléré ou en coupé, vous verrez bien. Sinon, moi, de mon côté, c'est parti pour faire péter. Je vais faire mon kit bâtisseur. Hop, pour avoir le psy, pour faire le canon, le mini, le énorme canon à TNT. Très reconnu pour tout le monde. Donc normalement ça devrait pas être très très long à piller. Enfin, je ne sais pas il y a combien de couches, donc à voir si ça fait comme la dernière fois. Sur ce, c'est parti. Allez, let's go. Donc les gars, on a enfin une accessibilité à la base. Je pense qu'il manque juste un seul creep, un seul creeper, une seule TNT et normalement on pourra être dedans si j'arrive à glitch. Voilà. Ok, moi je commence vraiment à me paumer avec ce canon à 2 balles, MDR. Alors, on va tout d'abord. Hop, voilà, c'est bon. On va tout d'abord faire péter le dernier petit bloc qui nous enquiquine. Et après, je pense qu'on sera dedans. On ira à l'œuf de creep. Voilà. Alors, est-ce que je suis encore. Ouais, je vais encore faire péter à la TNT vite fait, jusqu'au temps qu'on l'atteigne, parce que ça va extrêmement me gêner. J'ai pas envie de dire. En plus, là, économiser des œufs de creep, pourquoi pas. Ah, mais j'arrive pas à monter! Ah mon dieu! Yes! Beaucoup de difficultés, MDR. Hop! Mince, faut que je remonte un peu le canon. Hop! Très bien. Bon, je sais pas si ça va faire péter le coffre ou pas, du coup. Ok. Ok, c'est plutôt nice tout ça, ça m'a l'air. Vous voyez, c'est une base bien, bien petite, mais est-ce qu'elle va être bien blindée? C'est ça la question. C'est ça la plus grosse question qu'on se pose. Alors, on va y aller full. Autant y aller full, full TNT, même si j'arrive toujours pas à monter, parce que je suis grave nul. Hop, hop, voilà, tac, c'est parti. Normalement, quoique j'ai peut-être fait un peu court là. Ouais, j'ai fait beaucoup trop court. En fait, je suis tellement pressé de la piller. Que je suis court. Allez. Ok, c'est encore fait péter. Et je pense qu'une dernière TNT, ça fait péter les stouffs. Comme on dit dans le pays, les petits stouffs. Ok. Déjà, il y a du stouff. On est bien.
Hop, on va rentrer dedans. On va mettre slash set home by ici. Ok. Alors je sais qu'après, juste derrière là-bas, il y a d'autres coffres. Et oui, je les ai vus. Hein. Avec mon très gros X-ray MEDR. Comment on va acheter ça? On va acheter ça là-bas. Donc là, c'est les coffres à merde. Comme par hasard, je suis encore pété les coffres à merde. Hop. Diamant, je m'en fous totalement. Ah, 10 coffres mettez, ça m'intéresse. Ok. Sur le reste, c'est inintéressant. Pas très intéressant ça. Alors, on va retourner home buy. On va continuer. Autant y aller à la TNT, on va économiser des creepers comme ça. Je sais que normalement, derrière là-bas, je vais vite fait vous montrer si on le voit d'ici. Normalement, derrière, il y a deux petits coffres bien cachés. Je sais pas jusqu'où faut aller. Hop. Je sais pas si... Voilà, vous voyez là-bas, il y a les petits coffres cachés. Donc, vu que c'est... Je crois que c'est mis sur de la cobble, du coup, c'est facile d'y accéder, mais... On va bien voir. De toute façon, on continue la TNT pour le moment. Pas grand chose. Espérons qu'il y ait mieux. Espérons. Hop. C'est parti. Comme ça, ça fait péter. Ça serait bien que ça fasse péter l'option en même temps. Oh! Oh oui! Toutes les bananes! Nice! Non, mais j'en ai marre, les gars! Mais non! Mais pourquoi? À chaque fois, je me fais avoir par le clear! Vas-y! Non mais ça, c'est cette vengeance du clear, comme par hasard je vais péter un coffre full banane. Y'a quoi? Y'a le clear là, je crois qu'en plus il y avait des, aussi, y avait des trucs à XP. Non, moi je me fais bien baiser. C'est incroyable. Sur tous mes pièges, je suis obligé de me faire clear quelque chose. Tout le temps. Tout le temps. J'en ai marre. Vous savez quoi? Je me vide full inventaire. Là je me vide bien, comme ça je peux tout prendre. Non mais... RT, j'ai envie de dire, RT si c'est triste, RT si c'est 13 pour les plus connus d'entre vous qui connaissent très bien ma chaîne. Parce que là, c'est abusé. Enfin, trouvez-moi. Quoique, il y a peut-être un ou deux pièges où ça m'est arrivé, mais les trois quarts de mes pièges. Wow, ok, d'accord. Ok, non, il a dit ta gueule, tu moches, tu parles trop, pour la peine, t'as rien. Non, mais c'est abusé ce genre de clear, c'est chiant. Ouais, il devrait mettre une option, le clear qui s'affiche, mais vraiment. Devant ta tronche, tu vois très bien que tu sais très bien qu'il va rien t'arriver. Donc là, c'est compliqué de finir la TNT, je pense. Je vais encore essayer un petit peu. Bon, ça a l'air d'être plus compliqué d'y aller à la TNT. On va y aller avec Monsieur Creeper. De toute façon, au pire, j'ai beaucoup de monnaie pour acheter des Creepers. C'est pas un problème. Par contre, toi, l'Opsy, c'est pas que je t'aime pas, hein, mais je t'aime pas. Ok, let's go. Je préfère les faire péter comme ça. Ok, vous voyez. Ah, pas mal de trucs XP. Et là, il y a un modo qui va faire un clear. Je vais dire, ok, mais là, t'as un cancer, mon gars. Enfin, quelques petites bottles d'XP qui font plaise. Je ne sais plus les touches de mon PC. Ok, c'est ça. Et oui, je suis quelqu'un qui connaît pas son PC, hein, parce que Mac, supérieur à Windows MDR. Ok. Donc on aura quand même récupéré vite fait. Donc les mecs, il y a des kits, à ce que je vois, enfin tel que c'est mis en valeur, c'est vu qu'il y avait des bananes et tout, et là, pas mal d'XP. Donc le mec, c'est un mec qui a pas mal de kits. Espérons qu'il ferme le P4, et vu qu'il fait partie d'une grosse faction, espérons bah, qu'il ait pas mal de choses. On va en faire péter. Pareil. Hop. Oh, nice. Beaucoup, beaucoup de bottles. Ah, beaucoup, beaucoup de minerais aussi. Ça, c'est bien. Ça, c'est excellent, même. On va voir tout ce qu'il y a comme minerai. On va aller à la Sky, Home Sky. Au pire, dans mon OC, j'ai pas gardé des coffres. Non. Bon, on va aller vite fait Home Sky, récupérer des coffres à poser derrière, comme ça, après, je ferai tous les transferts. Donc, ça m'a l'air quand même d'un piège plutôt bien. On a re-récupéré des bottles. Hop, on va faire un petit échange, toi et toi. Un peu de cheat, bon après le stuff de merde, de toute façon je trierai après, c'est pas un problème, je vais mettre juste quelques coffres, voilà. Nice. Ok, pour le moment on laisse comme ça. Comme ça j'ai pas besoin de faire des allers-retours, j'ai pas besoin de faire coupure vidéo, j'ai pas besoin de faire de montage, en fait c'est juste pour pas faire de montage que je fais ça, MDR. Ok. Bon, déjà ça, on vire. Le fer ça se garde, ça se revend, allez ça on garde pour le plaisir. Ah, pierre de métier, ça c'est bien. Bon, une option, on s'en fout un peu.
Ça, je sais plus c'est quel kit. Bah, ça doit être le kit chevalier, justement. Le charbon, on va le garder. Ah, des flèches à effet. Ça, on s'en fout. Ok. Encore pas mal de bottles. Ah, ticket de téléportation, ça, c'est bien aussi. Hop, hop, hop. On ramène tout ceci. Ok, donc ça, c'est les fermax de base. Ah, on a récupéré des TNT aussi, je crois. Je ne suis pas sûr parce que je suis venu avec combien de TNT. Ah, j'aurais pas assez toute ma merde. Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre à virer là-dedans? Bon, ça, on s'en fout. Allez, là, il reste, on garde un petit ticket de téléportation. Toujours bien. Toujours très bien gardé. Pas foutre la merde. Ok. Donc là, ça va être tous ses kits encore. En fait, le mec, c'est la base, elle doit être full kit. Ça, tout ça, je crois que c'est du kit chevalier. Ok, encore pas mal de... Dommage qu'il n'y ait pas les enchants qui vont avec. Donc je pense que les petits coffres qu'on a vus tout à l'heure derrière, ça doit être les coffres à P4. Bon, on va faire... J'avais envie de faire... Comment vous voulez que je trie tout ça, moi? Ok, on a encore de la TNT. Encore pas mal de minerais ici. Ouais, je veux bien, mais là, c'est compliqué à trier. C'est très compliqué. Alors, on va mettre ça, tout ça dans le trou. Hop. Bon, les gars, j'ai enfin fini de trier. J'en ai marre, ras-le-bol. On va faire juste péter là. J'espère que ça ne fasse pas péter tous les coffres. Ah, ça a même pas fait péter ce que je voulais, non. Ça va être encore galère. Donc, on a récupéré une petite épée de farm. Encore une petite sharpness 3. Ça fait toujours zizir. Oh là là. Je vais encore faire le tri là-dedans. Sans déconner, ce qui m'intéresse là, c'est juste les potes et encore. Encore là, c'est surtout les livres enchantés. Hop, on va faire péter comme ça. Allez, pète tout. Voilà. Ah, j'ai cru voir des œufs de creep et il y en a, je crois. Je suis pas fou. C'est là, je sais. Ouais, il y avait bien un œuf de creep. Nice. On a récupéré un petit œuf. Ici il y a plein d'opsies encore. Ah mais les gars, vous saoulez là. Comment vous voulez que je trie tout ça? Bon, on refait encore un petit déstock de triage et on se retrouve après. Donc les gars, on a enfin fini de trier, je vous fais montrer. On a juste rempli un petit décès de quelques petits items intéressants, sans plus. Hop, on fait péter ça. Si je peux aller là-bas directement en l'Underpearl, j'y vais. Voilà, très bien. Donc là-dedans, on a récupéré un peu de ça. On a encore récupéré un peu de TNT. Ce coffre-là, voilà. Ce qu'on a récupéré un peu d'Opsy. Encore un peu de minerai, pas mal. Encore quelques bottles. Pas non plus encore le jackpot. Mais voilà, on a récupéré déjà un peu d'Opsy. Même si vous avez vu en début de vidéo, j'en ai donné je sais pas combien. MDR. Donc comme on a dit, derrière, les coffres sont derrière ça après, je crois. Ou juste derrière là. J'arrive pas à me repérer. Ah. Hop, 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 hop. Voilà. Nice. C'est parti, on fait péter là. Ok. Encore pas mal de trucs. On va trier dans notre tas de merde. Là, je vais essayer de faire péter petit à petit. Je vais pas vous cacher que non, j'ai pas envie de faire tout péter encore d'un coup. Ok. Donc, on a encore récupéré des bananes. Ok. Là, on a récupéré de la merde. Beaucoup de blocs, ça fait chier, j'espère vraiment qu'il y a un coffre à P4, parce que là, ça ferait chier. Ça ferait extrêmement... Alors... Après, faudrait vraiment que je regarde avec les blocs de redstone ce qu'il y a derrière, parce que ça m'intrigue trop. Ah! Ah! Ah, enfin! Enfin, un décès de trucs intéressants, un décès de trucs intéressants, s'il vous plaît, seigneur! P2... Bon, allez, c'est quand même... P2, P3, c'est pas dégueu, ah, enfin. Ah, P4, nice! Enfin des bons trucs, enfin, enfin, enfin. Et là, il va y avoir un vieux clear, vous pariez, attendez. Je le sens venir, le clear. Vous savez, le clear que tout le monde sent, vous savez très bien qu'il va venir, parce que vous avez comme par hasard le bon coffre. Ah, je le sens, ce clear. Non, je déconne. Non, là, normalement, ça devrait être bon. Enfin, du fucking stuff. Enfin, enfin, enfin. Enfin, enfin du mérite. Bon, après, c'est pas non plus du gros P4, P4, mais... Voilà, c'est déjà du stuff, quoi. On va pas se plaindre. Hop, on retourne là-bas. Donc, on aura eu décès de Senna. Avec un
P4, je crois, Senna. Un P4 Senna, ou peut-être deux, je ne sais pas, je vais pas regarder. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Ça remotive, ça se dit. C'est en train de dire que c'est pas que de la merde la base. C'est qu'il y a quelque chose encore. Si déjà là, il n'y avait que les stuff P2, P3, est-ce qu'on aura du P4 là où on avait vu les coffres juste derrière? C'est la question du jour. Donc maintenant, en espérant que ça soit. Maintenant, c'est que du bonus. Oh bah, what? Encore plein de. Oh, nice! Il y a encore pas mal de coffres à merde, mais ici, là, je crois que c'est vraiment les bons kits enchanteurs comme on les aime. Ah non, merde. J'aurais été plus content que ça soit tous les kits enchanteurs. Malheureusement, non. Mais on récupère encore pas mal de bottles d'XP. On fait quand même gaffe de pas acheter un livre intéressant. Non, c'est que des livres de merde. Voilà, comme j'ai dit, là derrière, ça va être que principalement du bonus. On récupère un peu de joint, encore de l'opsy. Ouais, après les livres, là, c'est que du caca. J'ai bien l'impression. Dommage que les livres, ça soit de la merde, mais bon. Ok. Au moins, on aura récup. Je suis content qu'on ait au moins récup du stuff. Parce que je me dis, c'est pas. C'est parce que du caca. Pas que du caca. Ok. Tac. Le reste, on s'en bat les steaks, je pense. Ok. Je vais pas vous cacher que là il y a un peu trop de trucs ici. Ça aurait été bien que ça fasse petit coffre en même temps. On va te faire amener ça. Hop. Ok. On va voir. Mais je pense que deux coffres cachés derrière. Alors, soit c'est le mec qui en faisant sa base, il a fait n'importe quoi. Soit c'est des coffres genre vraiment à P4. Récupération plus tard, un truc du genre. Là, je m'attends pas à grand chose ici non plus. On va se le cacher. Ok, c'est encore du coffre à bordel. Ce qui était plutôt prévisible. J'en ai un peu marre des coffres à bordel. Hop, merde, j'ai jeté de l'opsi, bon, c'est pas grave. On refait encore un petit tri et on revient. Bon, les gars, on a ramassé la totalité des trucs intéressants. Sans faire exprès, j'ai fait tomber un Staff and Breaking 3 dans le tas de merde. Et je vous dis que je vais pas y retourner pour aller le chercher. Vraiment pas envie du tout. Allez, à la fin. Tac, 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 tac. Ok, on aura encore récup des minerais. Bon, le mec avait un kit enchanteur et on n'a pas tellement vu les livres. C'est sûr et certain qu'il y a le kit enchanteur maintenant. Là, tel que j'ai vu, c'est sûr et certain. Mais on n'a pas vu ce qu'il y avait avec en fait. Ok, encore. Le mec, il doit faire que des kits enchanteurs, c'est pas possible. Il doit faire que ses kits enchanteurs et ses kits. Comment ça s'appelle? Les kits bâtisseurs. Quand je vois tout ça, à part ça, je vois pas ce qu'il fait d'autre. Hein. Et je sais que le mec c'est un chevalier, j'aurais pu dire le pseudo. Ah, enfin le clear qui sert à quelque chose, alléluia. Enfin le clear qui détruit pas tous mes stuff. Ok. Donc on a encore ramassé pas mal. Il nous reste combien? Mais ça va, en creeper, on n'a pas dépensé plus que ça. Prions que ces deux coffres aient quelque chose. Que j'ai pas été. J'ai pas fait ça pour rien. Hop. Ok, slash AC. Après, j'irai vérifier qu'il n'y ait pas d'autres coffres. Ah, oh, nice. Il y a du stuff. Donc, c'est pas. Ah, si. Puis en météore. Bon, c'est pas le stuff que j'espérais, mais on en récupère des trucs quand même. On va voir ce qu'il y a exactement. Donc, ça a dû être du stuff. Ah, voilà. Ils sont là, c'est libre. Ah, dommage, il a que des enchantes de merde sur ces stuff. Ah, P4. Ça, c'est pas dégueu. Donc c'est là où il avait stacké tous ses livres intéressants. Ok, rien d'autre. Non. Slash home buy. On va vérifier qu'il n'y ait pas d'autres coffres derrière. J'ai pas envie de me faire douiller. Et après on va se laisser là-dessus. On va juste faire aller voir derrière. Ok, on va mettre ça. Merde, on va mettre ça là-dedans. Bon, à la fin, on aura quand même bien rempli tous nos coffres. Pas trop de P4. On aura quand même récup des livres intéressants. Ouais, c'est bon, on a tout bien fait péter comme il faut. C'est pas un coffre ça? Non. On a tout bien fait péter comme il faut, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, allez, bye bye!